J'ai rien me dit, c'est la montée parce que. Ça fait pitié, je te l'aime aux yeux, que moi je ne fais que pleurer. Toi qui nous as donné la vie, toi qui nous reprends sur tes la vie, moi j'ai assez pleuré, moi j'ai assez crié. On me dit pourquoi tu pleures, je pleure, zaga zaga. On me dit que c'est cela, à la lekadi, à la lekata. Adieu, soyez salués, partagez la vidéo, invitez vos amis rapidement. On va passer 30 minutes ensemble rapidement. On va vous parler un peu de la supposée plainte contre M. Guillaume Soro aussi en France. Amour, amour. Jarasuba, talanyona, ikanani. Joli garçon. Masato masato. Loko zara zara, antilibara, betilo. Namini mouma, watao kasila. Beto kasila, anamahimira. Jarasuba, jarasuba, jarasuba. Jaudite maro apata. Où chacun vient jouer son rôle. Il a fini ses partitions, alors il pose en paix.
Parce qu'elle n'avait plus d'espoir. J'ai vu Amélie se lamenter parce qu'elle ne voyait. J'ai vu tes enfants pleurer parce qu'ils sont devenus orphelins. Mais sache, Jara, que tu as des frères d'âme qui sont avec toi, qui te portent dans le cœur pour l'éternité. Guillaume Soro t'appelé, Soumina Bakayoko t'appelé, Watao Anaconda, Sabéré Béré inconsolable. Chéri Foussouman te pleure, te pleure. L'os de main cap. Tu vois, j'ai tes pleurs. C'est Jean Docteur Borokourou Fatiamo Bio Dosso Adama Takuri Tablé Shumoro Issa Djakite. Ouais, je suis un bon artiste. Oh, misère, yo. Il est aussi mitien. Force de frappe. Terminator, yo. Il est aussi mitien. Et Zadoumia, Glazaï. De tout chéri, te pleure. Mesdames et messieurs, Ivoiriens et Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, ce soir, je suis encore à votre compagnie. On va parler de l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. On va parler, n'est-ce pas? De l'affaire IB qui est aujourd'hui ici en France. On nous apprend que une plainte a été portée contre monsieur Guillaume Kibafori Soro ici en France dans l'affaire de IB et CAS. Et ce soir avec vous, je vais échanger et chacun d'entre nous saura un peu en tout cas se situer dans cette affaire, parce que nous ne viendrons pas ici devant vous pour venir pleurnicher le sort de M. Guillaume Soro. Je l'ai dit toujours que j'ai eu l'occasion de le répéter. J'ai dit que M. Guillaume Soro est un leader déjà accompli, déjà mûr, déjà fabriqué, déjà préparé à toute éventualité. Soyez salués, très chers soeurs Nakim Karamoko, Assetou Ouattara, Curtis, le célibataire en couple, soit salué depuis ta position, Doumbia Zouzou Soro. Et donc, je vous disais tantôt que nous ne viendrons pas dans un direct ici venir pleurnicher. Pourquoi il y a une plainte contre M. Soro? Non, en faisant même cela, c'est comme on était en train de dire que vraiment, Guillaume Soro, on sait qu'on lui reproche quelque chose, donc il ne doit pas avoir de plainte. Alors, tout citoyen est libre de porter plainte. C'est pas là le problème. Mon problème ce soir, ce n'est pas le fait de porter plainte contre Guillaume Soro. Moi, je fais confiance à Soro Guillaume. Et je vous invite, et chaque fois que j'ai l'occasion, moi, je vous invite, vous Ivoiriens, à faire confiance à M. Soro Kibafori Guillaume. Et je sais de quoi je parle quand j'insiste sur ça. Soro démissionne du RHDP le 8 février 2019, 2 ans avant la présidentielle. Et puis, M. Ouattara, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 5 mois de la présidentielle, M. Ouattara n'a pas encore pu terrasser, neutraliser Guillaume Soro. Vous devrez être fiers de ce monsieur Guillaume Kibafori Soro. Il n'y a pas un homme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à part Soro Guillaume, qui peut tenir tête à M. Ouattara et sa justice. Il n'y en a pas si ce n'est pas M. Guillaume Soro. 2 ans avant la présidentielle, M. Soro a dit à M. Ouattara, je ne veux plus être RHDP. 2 ans avant la présidentielle. Et nous sommes à quelques 5 mois de cette présidentielle. Et M. Soro, si ce n'est pas mensonge qu'on l'attribue là, M. Soro, il tient et il tiendra bon. Donc je répète ce soir, quand il s'agit de l'affaire IB et de l'affaire des CAS, ce qui s'est passé dans la rébellion en 2004. À Boaké. On va en parler. Nous sommes très disposés à vous parler de ce problème avec notre raisonnement, avec nos arguments, avec les preuves à l'appui. Et je tiens d'abord à préciser une chose. Peut-être que vous savez, mais certains ne sont pas réguliers sur nos directs. Les Soroïs
nous sommes une famille. Les soroïstes, et nous sommes une équipe. Et dans une équipe, il y a le gardien de but. Dans une équipe, il y a les défenseurs. Dans une équipe, il y a le milieu défensif. Il y a le milieu offensif. Donc, il y a les milieux et il y a les attaquants, les ailiers et les attaquants de pointe. Nous sommes comme ça. Pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui sont réguliers sur nos différents directs, ils savent de quoi je parle. Pas besoin de dire quel rôle je joue dans l'équipe soroïste cyberactiviste. Et vous savez quel rôle je joue. Je suis comme un Yaya Touré, Nyenyeri. Pour ne pas lui faire de publicité, bon, et même si je lui faisais la publicité parce que c'est mon idole en football, je suis comme un Yaya Touré qui peut être milieu défensif, qui peut être milieu offensif, qui est polyvalent. Même si on le met dans les buts, il peut se défendre. Et donc, j'ai pris l'habitude d'être comme Yaya Touré dans tout ce que j'entreprends à l'école. C'est-à-dire, quand je dis à l'école, là, je suis un Yaya Touré à l'école, je suis pas, j'étais pas un élève brillant, surdoué. Mais où le premier est, là, c'est là-bas que je suis. Souvent, je suis premier. Donc, si même le jour, je ne suis pas premier, où le premier est, là, je vais là-bas. Ça, c'était à l'école. Et dans tous les secteurs où j'ai eu à exercer, quand même quelqu'un a eu à dire un jour, vraiment tu es polyvalent. Et donc, dans mon domaine aujourd'hui, enfin, je suis pas, c'est pas un métier le cyberactivisme, mais c'est une passion pour nous. Et on se dit que tellement c'est devenu quelque chose d'obligatoire pour nous, ça ressemble maintenant à un métier. C'est pourquoi d'autres se paient le luxe de nous dire, on te paye combien ? Non, on ne nous paye pas. Donc, quand on te dit déjà, on te paye combien pour faire vidéo pour Soro Guillaume, ça veut dire que ce que tu fais, tu le fais très bien. Ça veut dire que ce que tu fais là, c'est que tu fais bien. C'est pourquoi d'autres pensent qu'on te paye. Donc, nous nous réjouissons et c'est au nom de tous mes camarades que je dis. Et c'est l'occasion même pour moi de saluer tous mes camarades combattants, que ce soit à visage découvert ou anonyme. Tous ceux épris de paix et de justice qui œuvrent à la manifestation de la vérité, je leur tire chapeau, je leur salue. Et vous, qui êtes toujours ici, et vous, qui venez nous soutenir dans les commentaires, les cœurs, les likes, les partages, je ne saurais saluer mes camarades sans aussi vous saluer. Je vous salue. C'est pourquoi, en vous saluant, je vous demande aussi de faire votre boulot à l'instant où je vous parle. Partagez pour ceux qui n'ont pas encore partagé le direct. Invitez vos amis dans la inbox pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et ne vous occupez pas de ceux qui vont venir nous insulter en commentaire. Non, ne vous occupez pas d'eux. Ils n'ont pas d'argument. Ils sont violents. Verbalement, physiquement, moralement, ils sont violents. Laissez-les dans leur violence. Nous, là, c'est l'argumentaire. Nous, c'est les... Ce sont les preuves pour confondre nos adversaires. Et nous, on est là pour argumenter nos propos. Et donc, je tenais quand même à faire ce bref rappel avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Maintenant, comme il s'agit du sujet relatif à la plainte contre M. Soro Guillaume ici en France, j'aimerais demander votre indulgence. Qu'avant de rebondir sur le sujet du jour, j'aimerais qu'ensemble, on écoute, parce qu'aujourd'hui, les avocats de M. Guillaume Soro ont accordé plus de environ 2 heures de temps sur la chaîne GSK TV aux Ivoiriens en venant ici étayer, éclairer la lanterne des uns et des autres. Et j'aimerais profiter de mon direct de ce soir-là pour vous faire écouter les 5 dernières minutes de l'intervention des avocats de M. Guillaume Soro sur l'affaire de la villa. Et puis, ensemble, on va la commenter avant de rebondir sur la plainte contre M. Guillaume Soro ici en France. Je répète, pour vous qui êtes déjà connectés, je ne suis pas contre la plainte, mais je suis contre la cible de la plainte. Est-ce que
je me suis fait comprendre. Je recommence comme le dit professeur Niamsi. Je ne suis pas contre la plainte, mais je suis contre la cible de la plainte. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, tous les citoyens ont le droit de porter une plainte contre X. Mais il faut la faire dans les règles de l'art. Il ne faut pas te tromper de la cible de ta plainte. Et j'invite mes parents, les parents de IB, parce que IB c'est mon parent, donc les parents proches de IB, à regarder droit devant eux, ils verront tout de suite contre qui ils doivent porter plainte. Ce n'est pas contre la personne de M. Guillaume Soro. Je demande aux parents proches de IB, à sa fille de 15 ans, qui a connu son père avant sa naissance, parce qu'elle est née d'une mère, donc IB a une femme. Elle estime qu'elle ne peut pas porter plainte, elle ne veut pas porter plainte. Elle sait de quoi? C'est sa fille de 15 ans aujourd'hui, on veut manipuler pour porter une plainte. Et les Ivoiriens doivent décoder dans ça déjà une cabale, quelque chose qui se trame derrière. Mais pour ce qui se passe derrière la plainte de contre Guillaume Soro, ça ne nous regarde pas. Parce que nous, on sait déjà que nous, on a des arguments, des atouts pour neutraliser cette plainte. Et donc, très rapidement, on va aller écouter les avocats de M. Guillaume Soro en 5 minutes. On va commenter. Il y a une partie qui m'intéresse dans la partie conclusion des avocats de Guillaume Soro. La partie... Elles se sont passées en Côte d'Ivoire et puis les victimes sont ivoiriennes. Je ne comprends pas. Le tribunal... psychologique. Voilà. C'est-à-dire si M. Soro n'a pas accès à quoi que ce soit maintenant... Excusez-moi, une minute. Non, non. Ceux qui ont été détenus, qui ont des défauts. Lorsque la personne a même été citée et qu'elle n'était pas là au moment du prononcé de la décision est dite réputée contradictoire. Voler, dérober, débouler. Là, on fait un constat. Et c'est au moment où on tente de donner le gazon. Psychologique. On rentre au siège, on casse tout, on bat le siège, on forme le... Vous devez savoir que vous serez... On dit que nous sommes dans une comédie. Écoutez, écoutez. Et je pense que les metteurs en scène de cette comédie théâtrale n'ont pas en vue un procès. Et c'est pour cela que je dis que c'est une espèce d'escroquerie à l'opinion publique internationale et en souterraineté, c'est un combat psychologique. Voilà. C'est Maître Khadija Touré. Elle est avocate, elle fait partie du collège d'avocats constitué pour défendre Guillaume Soro et ses camarades. Ils étaient aujourd'hui invités de... GSK TV, afin d'éclairer la lanterne des Ivoiriens sur le cas Guillaume Soro. Et elle est en train de conclure ses propos ici. C'est cette partie-là que je vais vous faire écouter. Et donc, elle est en train de dire ici que le jugement contre Guillaume Soro, le procès, c'est une sorte d'escroquerie. Hein? Bon, on va l'écouter. Et elle estime qu'en réalité, c'est un combat psychologique. On va écouter et puis voilà, on va revenir là-dessus. C'est-à-dire, on s'acharne contre une personne, on va détruire ses attaches. Parce que votre domicile, votre demeure, c'est là-bas que votre âme a reposé un moment. C'est-à-dire, on rentre dans votre résidence, dans votre domicile, il y a des objets que vous avez aimés, il y a des petites touches que vous avez faites, vous avez eu des rêves, vous avez reçu des personnes dans votre domicile. On rentre sauvagement dans ce domicile, on casse tout et on veut que vous soyez informés de ce qu'on a fait des dégâts dans un domicile que vous avez aimé. Quand vous rentrez, vous êtes tellement content de rentrer chez vous. On a cassé votre bibliothèque, il y a une statuette qui était là. On a cassé, c'est un combat psychologique. C'est-à-dire si M. Soro Kibafori Guillaume n'est pas un homme de spiritualité, qu'il est un homme de matérialité,
C'est-à-dire, on va le détruire dans les attaches matérielles qu'il a. Et comme j'ai la ferme conviction que c'est également un homme de spiritualité et que c'est pour cela qu'il résiste à tout ça, ce sont des attaques psychologiques. On rentre au siège, on casse tout, on bat le siège, on forme le siège, on prend les proches, on prend les amis, on les enchaîne, on les amène dans des juridiques, dans des prisons extérieures. C'est tout un matraquage psychologique. Et donc je pense qu'on est dans le cas d'un matraquage psychologique qui ne dit pas son nom et qu'en fait l'objectif à atteindre, c'est de discréditer au maximum l'homme, c'est de le détruire dans sa matérialité sans pouvoir atteindre sa spiritualité. Et la spiritualité, Dieu a en quelque sorte encerclé cette spiritualité et il l'a protégée en esprit. Et je pense que le temps nous dira à quoi tout cela va aboutir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voici, et vous avez écouté ici les propos de Maître Kadijatou Touré. Elle est en train de dire que le sentiment qu'elle a aujourd'hui face au procès contre M. Guillaume Soro à Abidjan, elle dit clairement, tout au long de son intervention, tout au long de l'interview, Maître Kadijatou Touré est resté constante sur un fait que le procès à l'encontre de M. Guillaume Soro qui se passe à Abidjan, que ce n'est pas un procès, mais que c'est une sorte d'escroquerie juridique, judiciaire. Elle estime que c'est une anarque et que l'objectif visé par le pouvoir en place, c'est d'atteindre psychologiquement M. Guillaume Soro. Et que l'objectif recherché à travers tout ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan contre M. Guillaume Soro, que l'objectif, que c'est de le toucher moralement, de l'affaiblir, de le détruire psychologiquement. Et elle a pris l'exemple de deux faits. Pour ceux qui ont connu la maison en question à Makori, pour ceux qui sont... ceux qui ont visité cette maison, enfin, ceux qui sont arrivés là-bas, ceux qui ont vu, oui. Quand vous arrivez, Guillaume Soro y résidait depuis 2007. Donc, de 2007 à 2020, pratiquement 13 ans. Tu loges, tu as une maison, tu es là-bas pendant 13 ans, en tant qu'un homme d'État. Vous ne pouvez même pas imaginer qu'est-ce que M. Guillaume Soro avait comme matériel dans cette maison. Le bâtiment en question même, laissons le bâtiment. Mais ces affaires qui lui sont chères, est-ce que de vous à moi, depuis 13 ans, M. Guillaume Soro n'avait pas encore déposé dans cette maison-là des choses qui vraiment qui sont pour lui presque une partie de sa vie? De vous à moi, 13 ans, tu résides dans une maison, imaginons un peu ce que tu peux y déposer et puis aller en voyage. Et c'est en voyage on t'apprend que l'État a fait descendre des policiers pour piller, pour détruire, pour tout piller, pour tout prendre chez vous, dans votre maison. Dans cette maison, Guillaume Soro y a résidé en tant que premier ministre de Gbagbo Laurent. Dans cette maison, Guillaume Soro y a résidé en tant que premier ministre et ministre de la Défense de M. Alassane Ouattara. Dans cette maison, Guillaume Soro y a résidé en tant que président de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années dans cette même maison. Imaginons, prononcer quelque chose, on détruit ta maison. Donc psychologiquement, quand tu es attaché au matériel, ça va forcément te nuire moralement. Ça va forcément te toucher psychologiquement. Et donc, Maître Kadija, elle va loin, elle dit que mais elle est sûre d'une chose, que Guillaume Soro n'est pas plus attaché au matériel, mais Guillaume Soro est plus attaché au spirituel. Guillaume Soro, psychologiquement, il est prêt à amortir, il est prêt à se départir de tout ce qui est matériel, tout ce qu'on a pu prendre dans sa maison, tout ce qu'on a pu piller, casser dans sa maison. Guillaume Soro, il voit son combat au-delà du matériel. Donc, spirituellement, il est prêt. C'est un homme de foi.
Ça, c'est un, quand on prend le côté matériel. Et quand on prend le côté parent, ton propre petit frère qui est commissaire de police, qui a un matricule, quand tu penses qu'ils l'ont enlevé, le bastonné, pas parce qu'il a fait quelque chose, mais parce que c'est ton petit frère. De vous à moi, moralement, ça tue l'homme. De vous à moi, psychologiquement, ça tue un homme. Donc, Maître Khadija, que vous venez d'écouter tout à l'heure, elle s'est appuyée sur ce fait. Elle dit qu'elle a vraiment calculé ce procès parce que quand elle prend le droit qu'elle a étudié à l'université, dans des écoles d'avocats, pour être avocate, elle dit qu'en aucun moment, dans aucun article du droit pénal, Guillaume Soro est poursuivable en Côte d'Ivoire dans cette affaire de Villa. Parce que souvent, on entend, oui, M. Guillaume Soro n'est pas au-dessus de la loi. Mais quand on n'est pas au-dessus de la loi n'est pas au-dessus de nous. On est dans la loi. Et quand on est dans la loi est régie par des règles. Les règles de la loi en Côte d'Ivoire disent quoi? Que quand on reproche un fait à M. Guillaume Soro, il faut d'abord situer la période, le moment des faits. Qui était M. Guillaume Soro au moment il rentrait, on achetait, l'État mettait une villa à sa disposition. Monsieur Guillaume Soro était le premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que dit notre loi? Notre loi dit que quand un homme est premier ministre et qu'il commet, supposons même que Guillaume Soro ait procédé à un recel. Mais au moment où il était premier ministre, que quand en ce moment il fait un recel ou un détournement, tant qu'il est premier ministre, il y a une règle qui s'impose à lui. On regarde, on dit, bon, comme il était premier ministre en ce moment, voilà la conduite à tenir pour pouvoir le mettre aux arrêts. Comme il était premier ministre en son temps, voilà la conduite à tenir pour le poursuivre. Mais l'État de Côte d'Ivoire fait fi de tout ça pour dire que non, il faut arrêter Guillaume Soro. Bon, d'accord. Donc, Maître Khadija Tou a dit quoi? Elle dit, bon, comme moi j'ai fait le droit, et j'ai mis quiconque au défi que M. Guillaume Soro ne peut pas être poursuivi de cette manière. Parce que c'est la manière, en fait. C'est ça qu'on appelle la forme. Les avocats de Soro Guillaume n'ont jamais dit que Soro ne doit jamais être poursuivi en Côte d'Ivoire. Jamais, ils n'ont dit ça. Ils disent que la manière dont on poursuit M. Guillaume Soro, ce n'est pas la même manière qu'on poursuit un citoyen lambda qui n'a jamais été premier ministre. Mais à ce moment-là, si on fait ça comme ça, c'est qu'on peut poursuivre un président de la République au même titre qu'un citoyen lambda. La loi dit que non, une fois que tu as déjà exercé au plus haut sommet de l'État en tant que président d'institution, toi tu n'es pas au-dessus de la loi. Mais quand on te reproche un fait, voilà comment toi on doit te poursuivre. Mais pour Guillaume Soro, on fait fi de tout ça, on dit non, il faut le condamner. C'est pourquoi Maître Khadija Tou Touré a trouvé bon de venir à une conclusion pour dire que ce qui se trame contre Guillaume Soro n'a rien de justice, n'a rien de droit. Tout ce qui se trame contre M. Guillaume Soro est appelé une sorcellerie politique, une sorcellerie judiciaire, une escroquerie morale et puis une anarque judiciaire. Voilà les conclusions de Maître Khadija Tou Touré. Et je tenais à mettre ça à votre disposition pour vous dire que ce que Guillaume Soro subit aujourd'hui, si moralement, si psychologiquement, il n'est pas prêt, Dieu ne vient pas au secours, il y a longtemps, il a craqué. D'abord, elle a parlé de sa maison qui est pillée, tout est cassé dedans, ils ont tout emporté. On dirait que, oui, on est en rébellion, on dirait que on est en crise post-électorale où les gens partaient piller la maison des gens. Non! L'État aujourd'hui, tout est tranquille. Quand on reproche quelque chose à un citoyen, mais on ne va pas chez lui pour aller tout prendre. On ne va pas chez lui pour aller tout casser. Même si, d'aventure, on prouvait que Guillaume Soro est pris sur le terrain, il était en train de tuer quelqu'un, on ne le prend, on va pas s'en prendre à ses matériels chez lui. Ça, c'est du vagabondage. Ça, c'est de la rébellion. Ça, c'est pas respectueux dans un état de droit. Et M. Ouattara, ça donne à ça. Les policiers portent des masques pour escalader les murs, pour descendre dans un domicile privé.
Parce que on reproche un fait au propriétaire du domicile. Est-ce que c'est comme ça dans un état de droit? C'est quand il y a une rébellion, bon, on peut comprendre à la limite. Quand il y a un cafouillage dans le pays, on peut comprendre que bon, des esprits malins, ceux qui sont habitués à la facilité, peuvent rentrer dans les maisons pour aller prendre la télévision, le lit. Mais Guillaume Soro, on lui reproche simplement un fait. Il n'est même pas encore objet de justice. Il n'est pas encore objet de jugement, de procès. Les policiers rentrent dans sa maison pour tout prendre, pour tout voler, pour tout piller. C'est quoi ça? Ça, c'est un fait. Deuxièmement, pour atteindre encore à son moral, on va dans son QG, on rentre dans le QG de son parti politique, on détruit tout, on chasse tout le monde, on prend tout. Psychologiquement, si Guillaume Soro n'est pas fort, dans sa maison, dans le QG, tout ce qui s'est passé là-bas pouvait l'affecter et pouvait craquer. Troisième fait, on va jusqu'à aller prendre ses petits frères. Quel délit on leur reproche? Parce qu'ils sont des frères de M. Guillaume Soro. C'est comme aujourd'hui, je suis là comme ça, j'apprends le Seigneur. Toi, bon, écoute, comme je sais que tu es en France, bon, on peut, ton frère est arrêté parce que toi, tu dis ça, tu es ça, tu es... Mais attends, c'est dans un état de droit, il n'y a pas de rébellion, rien. Ça se fait comment? Ça s'explique comment? Mais c'est ce qui s'est passé chez Guillaume Soro. Ce n'est pas bon dans un état. Donc, j'invite Alassane Ouattara à la retenue. J'invite M. Ouattara à savoir raison garder. J'invite M. Ouattara à mettre un peu d'eau dans son vin. Je dirais même à verser son vin et remplacer le vin par de l'eau. Parce qu'en diluant ton vin, ça peut garder toujours le goût du vin. Je demande ici et maintenant à Alassane Dramane Ouattara de ne même pas diluer son vin, de verser carrément son vin et de remplacer le vin par de l'eau. Pour que la Côte d'Ivoire puisse regagner la confiance. Pour que les Ivoiriens puissent cohabiter en bons frères. Je demande à Alassane Ouattara de savoir raison garder. De ne pas pousser le bouchon très loin. Hier, j'ai cité Oufoué Boigny ici. Je vais répéter encore. Que quand, Oufoué le disait père à son âme. Que quand tu te bats avec ton frère à la maison. Et qu'il se fâche, il quitte la maison la nuit. Avant de dormir, il faut fermer la porte. Il ne faut pas la boucler avec la clé. Il ne faut pas la boucler. Il faut fermer, mais il ne faut pas la boucler. Parce que ton frère, il peut aller se promener partout. Et puis, il ne trouve pas de dortoir. Après, il revient. S'il vient trouver que tu as bouclé la porte, il va se retourner. Il va dire aux gens qu'il m'a chassé. Effectivement, tu l'as chassé. Mais s'il retourne, il vient trouver que la porte est fermée, mais qu'elle n'est pas bouclée. Il va pousser calmement, il va rentrer pour dormir. Et matin, tu vas le voir, tu vas lui demander, tu es arrivé quelle heure? Tu es arrivé au moment où je dormais, voilà. C'est fini par là, c'est fini. Mais M. Ouattara, qu'a-t-il fait pour permettre à M. Guillaume Soro, ou bien à nous qui sommes prêts pour Guillaume Soro, qu'a-t-il fait ce M. Ouattara pour réconcilier la famille dont on parle autant? Oui, venez en famille, venez à la maison. Qu'a-t-il fait pour que nous puissions revenir à la maison? Et donc, on va poursuivre avec Monsieur C. Comment dirais-je, l'autre avocat, Monsieur Maître Goibi. On va l'écouter. Voilà, c'est ça là qui n'est pas bon, c'est YouTube là. Voilà. Ben, je vous dis merci. Écoutez. Pour votre participation à cette émission qui nous permet d'éclairer un peu le monde national. C'est sa conclusion, hein. Je vais vous faire écouter. J'ai deux points. Deux points. C'est le thème, c'est la conclusion. Si j'ai un appui, pour quelqu'un à qui j'ai le plus grand respect, je peux me tromper. Je vais m'engager quand même. Avec beaucoup de. J'espère que vous attendez, hein. Je vais citer un de mes confrères,
bâtonnier et dans le procès de Maurice Papon sur l'occupation. D'accord. On m'a dit que vous n'attendez pas. Donc, effectivement, le son était très faible et puis voilà. Donc, il disait ici que l'actuel président de la Cour constitutionnelle, M. Mamadou Koné, il disait en son temps, il n'était pas encore président du Conseil constitutionnel. Comme lui n'était pas encore président du Conseil constitutionnel, un jour il disait, l'actuel président du Conseil constitutionnel, il disait que les décisions de justice ont fait trop de mal à la Côte d'Ivoire que de bien. Je reprends. Maître Goïbi, ici, dans sa conclusion, a dit deux éléments. Premièrement, il dit que l'actuel président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koné, a dit en son temps, il n'était pas encore président du Conseil constitutionnel, que les décisions de justice ont fait trop de tort à la Côte d'Ivoire que de bien. Et qu'aujourd'hui, lui étant président du Conseil constitutionnel, il y a aujourd'hui des décisions de justice qui sont en train de commettre encore assez de tort à la Côte d'Ivoire que de bien. Donc il interpelle l'actuel président du Conseil constitutionnel sur les dérives de la justice ivoirienne. Ça, c'est le premier élément qu'il a avancé. Et quand, avant de revenir sur le deuxième élément, de vous en moi, quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, combien de fois les décisions de justice ont été, je vais dire, dévastateurs pour la Côte d'Ivoire? Quand je prends 2000, en 2000, Tchakone a pris une décision de justice qui a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Tchakone a pris une décision pour exclure Ouattara, pour exclure Bédié aux élections de 2000. Donc une décision de justice ici venait encore de faire du tort à la Côte d'Ivoire. Les magistrats ne se sont pas arrêtés en chemin. Ils sont allés jusqu'à prendre encore avec le fameux Paul Yao Ndré en 2010. Qu'est-ce que Paul Yao Ndré a pris comme décision? Qu'est-ce que disait la Constitution en 2010? Que quand il y a les élections, l'organe qui proclame premièrement qu'on appelle résultat provisoire le résultat des élections, c'est la Commission électorale indépendante. Et quand la Commission électorale indépendante finit de proclamer son résultat, elle transmet les dossiers à la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a été fait. La Cour constitutionnelle regarde la régularité des élections, des résultats, et elle donne sa décision. Si on doit reprendre les élections, ou bien on doit proclamer un élu. Ça, c'était le rôle du Conseil constitutionnel en 2010. Qu'est-ce que Paul Yao Ndré a fait en 2010? Et puis ceux qui ne comprennent pas bien disent que oui, Paul Yao Ndré est au-dessus, donc ce que lui dit, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui est au-dessus de la décision de la Commission électorale indépendante. Mais à moins que ce Conseil constitutionnel dit le droit, là, on se soumet à sa décision. Qu'est-ce que Paul Yao Ndré fait en 2010? Il annule les élections de presque 10 départements au nord et il proclame quelqu'un élu sans reprendre les élections de cette localité. Or, c'était très simple. Si il a regardé, il a vu qu'il y a eu des irrégularités au nord dans 10 départements, il annule les élections dans ces 10 départements, il les fait reprendre avant de proclamer un résultat. Voilà ce qui était clair en 2010. Mais Paul Yao Ndré ne l'a pas fait ainsi. Il annule une partie et il proclame quelqu'un d'autre président. Voilà une autre décision de justice qui venait de faire du tort encore à la Côte d'Ivoire en 2010. 10 ans après, nous irons maintenant en 2020, octobre. Avant d'y arriver, on voit aujourd'hui que les décisions de justice sont en train de diviser les Ivoiriens. On voit que les décisions de justice sont en train de faire du mal aux Ivoiriens. Je vais prendre quelques cas. Blé Goudé, qui est envoyé à la CPI pour crime, est blanchi à la CPI, mais pour les mêmes faits, est condamné en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, est condamné devant un tribunal de première instance à Abidjan. Guillaume Soro, ancien premier ministre,
est condamné devant un tribunal de première instance à Abidjan, ce qui n'est pas du droit. Jacques Mangwa est condamné injustement. Noël Akosi Bendjo est condamné par contumace sans lui donner l'occasion de se justifier devant la justice ivoirienne. Or, nous sommes en année électorale. Donc, voici des décisions de justice qui sont en train de inévitablement plonger la Côte d'Ivoire dans le scénario de 2010 ou bien de 2000. Donc, il est important pour nous d'interpeller les hommes de droit sur leur attitude. Quand un président vient, il place son frère, Tchakone, qui est de l'Ouest. Gueye est venu, Gueye l'a mis là-bas pour qu'il soit en sa faveur, parce que Gueye est de l'Ouest. Suivez très bien. Paul Yaoundé, qui était l'ami intime de Laurent Gbagbo, il vient de Divo, donc il est frère de Gbagbo Laurent. Gbagbo le met là-bas pour que les élections à venir puissent donner un verdict en sa faveur. On quitte là, Alassane vient au pouvoir, il nomme Mamadou Koné du Nord, président du Conseil constitutionnel, pour qu'en 2020, lui, il ne proclame personne d'autre si ce n'est pas lui, Alassane Ouattara. Vous voyez aujourd'hui dans quel imbroglio politique nous sommes, dans quelle sorcellerie politique. Donc les hommes de droit, nous leur demandons, est-ce que de vous à moi, vous partez à l'école, vous avez appris le droit pour venir détruire votre propre pays? Est-ce que vous partez à l'école, vous apprenez le droit pour venir détruire votre propre pays? Non. C'est injuste. Et puis, qu'est-ce qu'a dit l'avocat de Soro avant pour conclure sur cette partie et pour revenir sur la plainte? L'avocat de M. Guillaume Soro a dit que c'est un confrère qui disait ça, c'est-à-dire c'est un autre avocat qui disait ça tantôt, il dit que ceux qui jugent aujourd'hui, parce que il y a un adage qui dit juger, c'est être jugé. C'est-à-dire quand tu juges quelqu'un, c'est que tu seras jugé. Donc, ceux qui jugent aujourd'hui doivent savoir que très bientôt, ils seront jugés. Donc, dames et messieurs, vraiment, je tenais à conclure cette partie, la conclusion de l'interview que les avocats de M. Guillaume Soro ont accordé aujourd'hui à GSK TV. Je tenais quand même à m'exposer un peu sur leurs conclusions pour attirer l'attention de chacun. Et je vais rebondir très rapidement sur mon sujet du jour, affaire IB, la plainte contre M. Guillaume Soro ici. J'ai dit et je répète, vous êtes à présent 760 personnes en direct. Pour ceux d'entre vous qui êtes là, je répète, je ne suis pas contre la plainte, mais je suis contre la cible de la plainte. Pourquoi je ne suis pas contre la plainte? Parce que tout citoyen a le droit de porter plainte contre quelqu'un. Tout citoyen. Mais je suis contre la cible de la plainte. La cible de la plainte, c'est qui? C'est M. Guillaume Soro. Je suis contre le fait que les parents de IB, ils ferment les yeux sur les assassins de IB et venir s'en prendre à Guillaume Soro. C'est injuste. C'est immoral. C'est inadmissible. C'est malhonnête. Ils font du tort à eux-mêmes. Ils font du tort à leurs parents IB. C'est ce qu'il faut retenir. Je recommence. Pour ne pas qu'on dise demain, ah, le Seigneur a dit, je recommence cette partie. Il y a une plainte ici à Paris, une supposée plainte d'une supposée fille de IB contre Guillaume Soro pour avoir assassiné son père, dit-elle. Tout à l'heure, vous allez écouter les avocats. Alors, je recommence pour vous dire, je ne suis pas contre n'importe quelle plainte. Mais je suis contre la cible de la plainte des parents de IB. Les parents de IB savent qui a tué leurs frères. Mais nous allons en parler. Les parents de IB sont convaincus. Tous les jours, ils mangent avec les assassins de leurs parents, de leurs frères IB. Ça me fait mal. Ça me fait très mal de parler de cette affaire. Je vous jure, la main sur le cœur. Parce que IB, je n'ai rien contre lui. C'est quelqu'un que j'ai aimé. De la manière que j'aime Yaya Touré, là. Le footballeur international Yaya Touré. C'est comme ça que j'ai aimé IB. J'attendais Major, IB, Major. Il était bien battu, bien gaillard. Mais aujourd'hui, venir encore
trafigurer, trafiquer, tituber sur la mort de Ibé. Oh, le président Ouattara, ça fait 9 ans, il est au pouvoir à Abidjan. Ibé a été le garde-corps d'Alassane Ouattara. Alassane, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les forces républicaines qui ont été téléguidées pour aller tuer Ibé sous Ouattara. Et Ouattara n'a pas encore fait de lumière sur Ibé. Et vous, on vous manipule pour venir s'en prendre à l'innocent Guillaume Soro sous la fameuse proteste que oui, Ibé et Soro Guillaume, ça n'allait pas entre eux. Est-ce que si par exemple, Doumia Zouzou et moi, on ne se parle plus et que je touche du bois, on apprend que quelqu'un a tué Doumia Zouzou hier, certainement, on ne s'en prend pas à moi. Quand il n'y a pas de lien de corrélation entre son assassinat et moi, il faut d'abord établir ça. Et ce soir, je vais encore passer 30 autres minutes en votre compagnie. Je vais vous dire que l'assassinat de Ibé, Guillaume Soro, ni en amont, ni en aval, il est impliqué. Parce que pour être impliqué dans l'assassinat de quelqu'un, il y a deux éléments auxquels tu dois appartenir, un ou à l'autre. À l'un ou à l'autre. Soit tu es celui qui a donné l'ordre. Premier élément, qui est très important. Je répète, pour être poursuivi ou bien même soupçonné d'être le commanditaire d'un crime, de l'assassinat de quelqu'un, il y a deux éléments auxquels on doit faire très très attention. Et ce sont les deux, ces deux éléments sont essentiels. Soit en amont, tu es le donneur d'ordre. Hein? Ou bien tu es l'exécutant. Est-ce que je me suis fait comprendre? Soit au départ, c'est toi qui as donné l'ordre et qu'on a les preuves que c'est toi qui as donné l'ordre. Soit à l'arrivée, c'est toi qui es parti sur le terrain et qu'on a les preuves que c'est toi qui es parti sur le terrain. Voici les deux éléments que l'Ivoirien honnête connaît déjà. Pourquoi s'enchaîner sur le pauvre Guillaume Soro? Je vais vous faire écouter les avocats de des enfants de Monsieur Ibrahim Koulibaly. Qu'est-ce qu'a dit cette dame pour qui je dois avoir un peu de respect? On va l'écouter et ensemble on va commenter avant de vous dire, tenez-vous bien, je vous ai donné deux éléments, n'oubliez pas. Retenez ces deux éléments, le donneur d'ordre et l'exécutant. Voilà. Donc, n'oubliez pas, je vais revenir sur le donneur d'ordre, celui qui a donné ordre. Et je vais revenir aussi sur ce ou bien celui qui a exécuté. Et ensemble, on va voir comment Guillaume Soro se retrouve là-bas. Ou bien, est-ce que Guillaume Soro est là-bas ou bien n'est pas là-bas. Et ensemble, chacun va s'asseoir pour dire, Joe, vraiment, je ne sais pas comment on peut porter plainte contre Guillaume Soro pour ça. Et donc, on va écouter l'avocate de la partie plaignante en deux minutes. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Sur quel fait vous êtes-vous basé pour déposer cette plainte? Alors, on s'est fondé sur les éléments que vont apporter nos clients, c'est-à-dire les victimes, des éléments anciens et des éléments plus récents concernant l'enlèvement, la torture et l'assassinat d'Ibé. Bah, déjà, on s'est fondé sur les déclarations d'Ibrahima Koulibaly lui-même, puisqu'au moment de mourir, juste avant, il a déclaré dans un média « c'est Guillaume Soro qui m'attaque ». Alors, on va aller pas à pas. Voilà, on va aller pas à pas. Le journaliste demande à l'avocat des enfants de Ibé sur quoi vous vous basez pour accuser Guillaume Soro, pour porter plainte contre Guillaume Soro, sur quoi? Elle dit quoi? Elle dit sur des éléments anciens et nouveaux. Elle donne un exemple. Elle dit sur les propos de Ibé. Qu'est-ce que Ibé a dit? Elle a répété. Elle dit qu'au moment des faits, ils ont posé question à Ibé, que Ibé a dit, c'est Guillaume Soro qui m'attaque. on va reprendre, vous allez réécouter. Elle dit que c'est Guillaume Soro qui m'attaque. Écoutez très bien. Je vous rappelle que Ibé a été attaqué et assassiné le mercredi 27 avril 2011.
mercredi 27 avril 2011. Et ce jour-là, M. Soro Kigbafori Guillaume séjournait à Ouagadougou. On va écouter encore l'avocat des enfants de Ibé. On va réécouter. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Sur quel fait vous êtes-vous basé pour déposer cette plainte? Alors, on s'est fondé sur les éléments qu'on va apporter nos clients, c'est-à-dire les victimes, des éléments anciens et des éléments plus récents concernant l'enlèvement, la torture et l'assassinat d'Ibé. Bah, déjà, on s'est fondé sur les déclarations d'Ibrahima Koulibaly lui-même, puisqu'au moment de mourir, juste avant, il a déclaré dans un média « C'est Guillaume Soro qui m'attaque ». Vous avez écouté? Vous avez entendu? Ibé a déclaré dans un média avant de mourir, c'est Guillaume Soro qui m'attaque. Or, je viens de vous dire ici que Guillaume Soro, le jour où on attaquait Ibé, Guillaume Soro se trouvait à Ouagadougou. Comment il reste à Ouagadougou pour attaquer? Parce que pour attaquer Ibé, il fallait venir, ils sont venus encercler son domicile. Et ils l'ont attaqué, ils l'ont voilà, tué. Maintenant, comment de Ouagadougou il est au domicile? Comment ça se fait? C'est pourquoi je vais vous dire une chose qui est importante. C'est pourquoi que ce soit dans une entreprise ou bien à l'école, il est tout à fait, il est beaucoup conseillé de prendre la liste de présence et de pointer à quelle heure tu es arrivé au travail et à quelle heure tu quittes le travail. Vous savez pourquoi on fait ça? On fait ça pour établir un lien de corrélation entre toi et un fait qui vient de se produire. Je recommence. L'avocat a dit ici, on lui pose la question. Elle dit que oui, eux se sont basés sur la déclaration de Ibé dans un média qui disait, je cite, c'est Guillaume Soro qui m'attaque. Or, je viens de vous dire, le jour, à l'heure où Ibé était attaqué, le jour d'avant même, Guillaume Soro n'était plus en Côte d'Ivoire, il avait pris l'avion pour aller au Burkina. Le même jour, Guillaume Soro n'était pas en Côte d'Ivoire, il était toujours au Burkina. Maintenant, comment il reste au Burkina et puis il est en même temps au domicile de Ibé pour pouvoir l'attaquer? Parce qu'elle n'a pas dit, ce sont les hommes de Guillaume Soro. Elle dit que Ibé a dit, c'est Guillaume Soro qui m'attaque. Parce qu'en droit, là, en justice, tous les mots ont leur place. En droit, en justice, tous les mots ont leur place. Si tu dis devant un juge, c'est le CENI qui m'a dit, ou bien je pense que c'est le CENI qui a dit, ça fait deux choses différentes. Et on écrit dans une déposition, tout ce que tu sors, c'est sur ça on juge. Donc, on dit, Ibé a dit, c'est Guillaume Soro qui m'attaque. Or, Guillaume Soro était au Burkina. Donc, je vous ai pris ici en exemple que ceux qui ont l'habitude de fréquenter les entreprises, quand tu arrives net au travail, le vigile, il te fait émarger. Il pointe l'heure à laquelle tu es rentré au travail, l'heure à laquelle tu vas sortir. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour pouvoir établir un lien de corrélation entre un fait qui s'est produit et toi. En d'autres termes, pour être encore plus explicite, quand tu arrives au travail à 10h10, tu notes. Si à 10h20, quelque chose se produit dehors, toi, on vient, on regarde, cette personne ne peut pas être accusée parce qu'elle se trouvait déjà au travail depuis 10h10. Donc la justice se base sur tous ces faits. Comme cela ne peut pas être à Ouagadougou et puis être sur le terrain. Donc, visiblement, vous conviendrez avec moi qu'il ne peut pas être cité parmi les exécutants. Les exécutants, c'est quoi? C'est ceux qui se sont rendus sur le terrain pour porter le coup fatal à Ibé. C'est eux les exécutants. Je ne vais pas rentrer dans le dossier aujourd'hui. Et comme Soulé m'a précédé déjà, nous n'allons pas rentrer dans le vif du sujet. Mais nous allons déjà déblayer. Nous allons travailler à ce que les Ivoiriens puissent vraiment, de façon responsable, de façon intelligente et intelligible, les Ivoiriens puissent comprendre où on veut en venir. Donc si M. Guillaume Soro, si déjà il n'était pas à Bobo, il n'était même pas en Côte d'Ivoire au moment des faits, ce qui est d'abord satisfaisant,
On ne peut donc pas l'accuser d'être parmi les exécutants d'ordre. On n'est pas encore arrivé aux donneurs d'ordre. Je parle d'abord des exécutants, ceux qui étaient sur le terrain en armes, qui ont porté le coup fatal. C'est eux les exécutants. Donc, je me réjouis que M. Soro ne soit pas cité parmi ceux-là. Et ça, c'est une satisfaction déjà pour nous. Nous ne sommes pas en justice, mais nous sommes en train d'analyser au fait les faits. Et que chacun puisse comprendre où la plainte peut aboutir. Quelle devrait être la cible de la plainte. J'ai dit ici que je m'insurge contre la cible de cette plainte. La cible de cette plainte ne doit pas être Guillaume Soro. Mais qui devrait être la cible de cette plainte? Si vous suivez très bien mon raisonnement, vous allez comprendre où la plainte devrait être diligentée. Il y a quelqu'un qui vient de me dire, mais il y a l'écoute téléphonique. Je vais en arriver là. Qu'est-ce que dit l'écoute téléphonique? Parce que j'ai dit qu'en droit, devant un tribunal, tous les mots ont leur sens. Parlons-en de l'écoute téléphonique. L'avocate, elle va en arriver. Mais, cher frère, qui me connaît, il faut que tu restes ici avant que je réponde à ta préoccupation. L'écoute téléphonique où Guillaume Soro disait ceci, cela, je veux que tu restes là pour que je puisse te faire comprendre que cette écoute-là, quel a été son sens ou quel peut être son sens devant un tribunal. Il faut rester là, s'il te plaît. Donc, on poursuit avec l'avocat de plaignants. Après, le lendemain, la photographie de son cadavre a été publiée dans un quotidien très proche de Soro. Et puis, en 2015, on a un enregistrement avec deux personnes qui parlent. Et ces voix sont attribuées à Massolé d'un côté et à Guillaume Soro d'un autre côté. Et la voix attribuée à Guillaume Soro ironise sur la mort d'Ibé en disant qu'est-ce qu'on en serait là s'il était encore ici. Voilà. C'est cette partie que M. Kem connaît, c'est sa préoccupation. J'ai dit ici, dès l'entame de ce direct, que nous, Soroïs, nous sommes une équipe de football, par exemple. Je dis de n'importe quoi. Hein. Et dans une équipe de football, il y a le gardien de but, les défenseurs centraux, les latéraux. Il y a le milieu. Au milieu, tu trouveras parmi les milieux, le milieu défensif et le milieu offensif. Il y a les attaquants. Parmi les attaquants, tu trouveras l'attaquant de pointe. Tu trouveras les ailiers. C'est-à-dire, sur le côté gauche et le côté droit, les ailiers. Et chez nous, les cyberactivistes, nous sommes comme ça, en quelque sorte. Et je ne suis pas en mesure, c'est vous qui devrez nous juger. Je ne suis pas en mesure de dire que je suis défenseur, je suis attaquant, je suis buteur. Non. Je pense que vous savez déjà qui est attaquant. En tout cas, moi, je m'appelle Yaya Touré Niniri. Voilà. C'est le rôle de Yaya que je m'attribue. Très polyvalent. Même quand il est défenseur, il peut bien jouer. Même devant, même quand on le met dans les buts, Copa, la place de Copa, il peut travailler. Tu le mets devant encore, il va marquer. Partout, tu le mets sur le terrain, Yaya, il s'en sort. Donc, je suis un peu comme lui. C'est sans prétention aucune, voilà, avec humilité que je parle. Et donc, tout à l'heure, M. Kem Kone a ressorti quelque chose que l'avocat vient de rebondir dessus. L'écoute téléphonique entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro. Et avant de commenter ça, parce qu'il faut être un peu honnête. Il faut qu'on soit un peu honnête. Si on n'est pas honnête, on est dépourvu de tout sens d'humanisme. Quand on n'est pas honnête, je ne pense pas qu'on est être humain. Quand on n'est pas honnête, c'est difficile d'admettre la vérité. C'est ça, en fait, le vrai problème du débat politique. Donc, je rebondis sur l'écoute téléphonique. Monsieur Guillaume Soro, j'ai dit avant de commenter, je vais te donner une information pour dire que cette écoute téléphonique a été authentifiée. Ils sont venus, ils sont allés chercher deux grands experts européens. Un Allemand, un Français. Tu peux aller sur Google, sur Internet pour voir si ce qu'il dit est vrai. Renseigne-toi auprès de tes mentors. L'écoute téléphonique a été mise à la disposition des experts en acoustique. Ils ont dit que ce n'était pas la voix de M. Guillaume Soro, que c'était traficoté. Et je vais vraiment, peut-être même que je vais plus avancer, que c'est sur ça que je vais terminer le direct. Parce que ça fait souvent mal de trafiquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, jusqu'à aujourd'hui, nous posent encore la question de savoir l'écoute téléphonique. Or,
le Burkina Faso qui avait en charge ce dossier a engagé deux grands experts européens indépendants qui ont certifié que cette voie n'était pas la voie de M. Guillaume Soro. Mais est-ce qu'il doit avoir encore un débat? Et même s'il y avait un débat, estimons que c'est la voie de Soro, par exemple. Admettons ça en tant que soroïste. Mais qu'est-ce que M. Soro Guillaume a dit dans cette écoute téléphonique? Si c'est vrai, parce que ce n'est pas d'abord vrai, parce que en réalité, je vous ai dit tout à l'heure que ça a été déjà vérifié auprès des experts en acoustique qui ont dit que ce n'était pas la voix de Soro Guillaume. Mais ça ne suffit pas à un militant du RHDP. Parce que la malhonnêteté, en réalité, chez eux, c'est vraiment leur domaine d'application. La malhonnêteté, le refus d'admettre la vérité, ça, c'est leur domaine d'application. Et donc, face à ces aigrefins-là, tout ce qu'on dit là, ça tombe dans l'oreille des sourds. Ça me fait souvent mal. Mais nous, on va continuer notre travail. Alors, j'ai dit que ce n'était pas la voix de Guillaume Soro, ce n'est pas moi qui l'ai dit parce que ça a été vérifié auprès des experts en acoustique, un Allemand et un Français. Deuxième hypothèse, par exemple, c'est la voix de Soro Guillaume, par exemple. Qu'est-ce qu'il a dit? Si c'était sa voix. Ou du moins, qu'est-ce qu'on a entendu dans cette bande-là? Que, si IB Désiré était là, c'est que vraiment on n'allait pas avoir la paix. Est-ce que je me suis fait comprendre? Mais est-ce que ça veut dire que si je ne tuais pas Ibé, est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Je recommence. Bon, Koné, bon, je l'avais trop respecté. Kem Koné, vraiment, je pensais que tu étais sérieux. Tu as posé une première préoccupation, c'est sur ça que je suis en train de travailler. Pour ton respect et pour... Parce que c'est une question... Donc, ça peut intéresser d'autres personnes qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de la poser. Et dans un direct, on vous respecte souvent en rebondissant sur vos préoccupations pour donner notre point de vue. Ce que je dis là, c'est mon point de vue et c'est à toi de voir s'il y a une logique dans ce que je dis. Maintenant, je suis sur ça, tu rebondis sur le détournement des fonds publics. Là, je suis obligé de te bloquer parce que tu n'es pas sérieux. Et moi, honnêtement, je suis tellement honnête quand je fais mon direct. Je me donne pour que mes téléspectateurs sachent, comprennent quelque chose dans ce que j'ai dit. Aïe, un peu plus ou moins satisfait. Mais toi, tu me distrais. Et donc, je me vois contraint de te bloquer. Ça, je te le dis très simplement. Et quand je vais te bloquer, je vais poursuivre. Tu vas aller faire pour toi ailleurs. Les malhonnêtes comme ça. Donc, lui, j'ai fini de le bloquer. Il va aller dire ses conneries ailleurs. Et donc, je disais... Que, par exemple, admettons que c'était la voix de Soro. Et la voix a dit quoi? Que si IB et Désiré Tagros étaient là encore, on n'allait jamais avoir la paix. Mais est-ce que de vous en moi, si on est honnête, est-ce que la voix a dit que si je ne tuais pas IB et Désiré Tagros, on n'allait pas avoir la paix? Est-ce que c'est ce que ça veut dire en réalité? Ou bien c'est moi, je ne sais pas analyser? C'est moi, je ne sais pas analyser. Si quelqu'un dit, non, telle personne qui est décédée là, s'il était là, vraiment, on n'allait jamais avoir la paix. Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui l'as tué? C'est comme par exemple, il y a un braqueur il y a quelqu'un qui était coupé de route. Chaque fois, c'est lui qui casse les banques, enfin, un coupé de route. Et tu apprends un jour qu'il a été abattu par la police. Et puis toi, tu dis, donc le grand braqueur là, ils l'ont tué. Il dit, non, si Mola était là, il allait nous monter couler. Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui l'as tué? Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui l'as tué? Non. Parce que tu as estimé en ce moment-là qu'il était un danger. Et que s'il était là aujourd'hui, que tu es sûr que vous n'allez pas avoir la paix. Ça veut pas dire qu'il fallait que je le tue. De vous en moi. Non. Le militant du RHDP est malhonnête. Le militant du RHDP est mauvais. C'est un mouton. Il est malhonnête. Donc, d'après l'explication que je viens de donner, vous devrez comprendre que nous sommes face à des gens qui veulent rien comprendre de la vérité. C'est pourquoi leur justice aujourd'hui est aux ordres. Donc, on va poursuivre avec
les propos de l'avocat de IB, des enfants de IB. J'ai déjà parlé de, comment dirais-je, Guillaume Soro n'était pas en Côte d'Ivoire, il était au Burkina. J'ai déjà parlé de l'écoute téléphonique dont parle l'avocat ici. On va poursuivre. Qui sont sérieux, il y en a d'autres. Et puis sur les massacres de 2004 qui interviennent là aussi dans un contexte d'épuration des personnes qui sont proches du leader Ibrahima Koulibaly. Donc on a des éléments qui sont sérieux pour nous, pour déposer une plainte aujourd'hui en France. Et on espère que l'enquête sera menée et qu'on aura des réponses. Justement, au plan juridique, très concrètement, que va permettre cette plainte? Écoutez, hein. Alors sur le plan juridique, comme il s'agit de crimes et de crimes graves, on demande la saisine d'un juge d'instruction sans passer par le parquet pour que des actes d'enquête soient diligentés, pour entendre les victimes, puisque nous, on a 6 personnes qui ont décidé de porter plainte aujourd'hui, certaines concernant les faits de 2004, les massacres, les crimes de guerre, et puis d'autres concernant la disparition d'IB et de ses compagnons. Donc ce qu'on espère, nous, c'est que Guillaume Soro, qui est en France, sera entendu, qu'il aura à répondre des soupçons qui pèsent sur lui aujourd'hui et que la justice sera sereine pour traiter cette affaire. Parce que justement, votre plainte, en fait, elle va permettre de réclamer la désignation d'un juge d'instruction qui mènera les investigations, et ça sans passer par une enquête préliminaire du parquet. Donc finalement, c'est une enquête qui se ferait plus rapidement. Plus rapidement, je ne sais pas. En tout cas, c'est une enquête qui devrait se faire. Alors pourquoi on la dépose en France et pourquoi aujourd'hui? C'est très simple. Nous, on travaille sur cette plainte depuis plusieurs mois. On a été en contact avec toutes les personnes qui nous ont saisies. Et puis, on a la fille d'IB qui porte plainte, qui a 15 ans aujourd'hui, qui est française. Donc, elle est française. Et elle ne comprend pas pourquoi les personnes qui ont commandité l'assassinat de son père et qui l'ont assassiné n'ont jamais été entendues. Donc Guillaume Soro est en France, ça nous donne compétence pour porter plainte maintenant, et puis il n'a plus de mandat puisqu'il avait fait jouer en 2015 lors d'une plainte mon immunité. Aujourd'hui il n'y a plus d'immunité, et parce que j'ai entendu qu'on instrumentalisait la justice, je ne crois pas. On a une victime française, Guillaume Soro est ici, et lui n'a pas hésité il y a quelques mois, en janvier, à déposer plainte en France contre le procureur Ibrahima. Donc, voilà. C'est parce qu'il réside justement en France depuis fin 2019 que vous avez aussi décidé de déposer cette plainte? Oui, c'est aussi pour ça, c'est ce qui nous permet de le faire aujourd'hui de manière sereine. On considère également que sa fille est la victime directe de l'assassinat, donc on aurait pu, même s'il n'avait pas été là, déposer la plainte, mais c'est vrai que c'est un bon concours de circonstances. Donc ce n'est pas une plainte d'opportunité, c'est les victimes, ça fait des années et des années qu'elles se battent pour essayer de mettre un terme à l'impunité. Bon, elle parle des crimes de 2004. Pendant la rébellion, genre les proches de IB, qui étaient des militaires d'ailleurs. Et parmi toutes ces victimes dont on parle, il n'y a pas un civil. Ils sont dans une logique. Les victimes, ceux qui ont été victimes de tueries de la part de IB et ses proches, eux, ils sont morts cadeau. Les civils qu'eux ont tués, ce n'est pas un problème. Mais eux, les rebelles de 2004, c'est eux les affaires qu'on va venir juger ici en France. Je vous rappelle qu'en 2004 déjà, Guillaume Soro n'était pas encore secrétaire général des Forces Nouvelles. Il était le porte-parole des Forces Nouvelles. Les Forces Nouvelles même n'étaient pas encore créées en 2004. C'était le MPCI. Et donc Guillaume Soro, il était le porte-parole du MPCI. Et que c'est plus tard, dans les années 2005-2006, que les Forces Nouvelles ont été créées. L'avocate, elle a été induite en erreur. Ce n'est pas, je le dis en connaissance de cause. L'avocate porte plainte contre Guillaume Soro et pensant que en 2004, Guillaume Soro était secrétaire général des Forces Nouvelles et que le crime a été commis pendant le règne des Forces Nouvelles. Non, en 2004 déjà, on parlait de MPCI toujours. On ne parlait pas d'abord de Forces Nouvelles pendant les faits. Et je suis en train de vous donner encore un élément qui dit que cette plainte-là, elle, pour nous, est nulle effet. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, tout ce qui a été commis pendant la rébellion, côté rebelle comme côté loyaliste, l'État de Côte d'Ivoire a estimé qu'il fallait aller à la réconciliation nationale, qu'il fallait mettre un certain nombre d'éléments en place pour que la réconciliation puisse être possible. Donc, entre autres, l'amnistie générale. Est-ce que vous voyez? Donc, ce débat, un non-événement pour nous. Et donc, en se basant sur 2004,
c'est déjà fort clos. Je demande aux parents de Cass de laisser reposer l'âme de Cass en paix. De laisser Cass se reposer en paix. Parce qu'ils sont en train de tenter à le tuer pour une deuxième fois. Les parents de Cass et IB, là, je leur demande, s'ils veulent vraiment rendre justice à leurs frères, à leurs parents, je leur demande de regarder Ouattara, Alassane Ouattara. Estimons que le dossier de Cass depuis 2004 soit soulevé et qu'on fait face fille de l'amnistie générale que la Côte d'Ivoire a pris en 2004. J'ai dit ici que M. Guillaume Soro était le porte-parole. Donc quand il y a un porte-parole, c'est qu'il y a un président ou bien un chef qui était le chef. Ce dossier va couler M. Alassane Ouattara, qui était le père de la rébellion. Et je mets quiconque au défi. Alassane étant le père de la rébellion, il faut bloquer Touré Fadal. D'accord, quand je vais le voir prochainement, je verrai. Pourquoi je l'atteste comme ça et puis je suis à l'aise pour dire que Ouattara était le père de la rébellion? Regardez, observez très bien. Babo Laurent, qui, n'est-ce pas, a toujours dit que c'est M. Ouattara qui a fait la rébellion. Vous savez, et il dit qu'il y a des documents qui attestent. Babo a dit ça, mais sans pourtant donner ce document aux Ivoiriens. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mais je vais vous dire pourquoi Babo n'a pas pu donner ce document. Et qu'aujourd'hui, on est en mesure de produire ce document. Ce document était en France ici, qui était classé sur, depuis Chirac pour venir, jusqu'à François Hollande, ce document était classé confidentiel. Et c'est sous M. Emmanuel Macron qu'on a déclassifié ce document qui cite nommément M. Alassane Dramane Ouattara dans la rébellion. L'implication directe de M. Ouattara dans la rébellion et dans tout ce qui s'est passé sous la rébellion. Ce document a été déclassifié sous Macron. Aujourd'hui, on peut avoir accès à ce document si on veut. Et ce document dit que c'est Ouattara qui était le chef de la rébellion. Bon, est-ce qu'il y a un débat encore? Babo disait qu'il ne pouvait pas apporter des preuves parce que c'était un document classé secret. Babo savait que ce document, je ne peux pas avoir accès et je ne suis pas autorisé à parler de ce document. Babo savait ça. Parce que Chirac, jusqu'à François Hollande, ce dossier était classé secret défense. Et donc, c'est sur M. Emmanuel Macron, là, ça ne vaut même pas 3 à 4 mois que ce document a été déclassifié. Quand on dit un document est déclassifié, ça veut dire que même un citoyen lambda, s'il en fait la demande, il peut avoir accès à ce document. Voilà, j'ai vu le Ousmane Diarra en question. Donc, M. Ouattara étant en 2002, jusqu'à la sortie des crises, étant le père de la rébellion, quand on veut poursuivre quelqu'un sur les faits de la rébellion, on poursuit M. Ouattara. Ça, il faut retenir ça. Deuxième chose. Deuxième élément. En 2011, qui était Guillaume Soro, qui était M. Ouattara? En 2011, on ne parlait plus des forces nouvelles. On ne parlait plus de rébellion en 2011. Depuis je vous donne une date précise. Vous pouvez aller vérifier dans les annales de la Côte d'Ivoire. Depuis le 17 mars 2011, M. Alassane Ouattara, président de la République élu, a pris une ordonnance réunifiant l'armée de Côte d'Ivoire. Les forces nouvelles de l'autre côté, les FDS de ce côté, Ouattara les a réunifiées le 17 mars 2011 au Golf Hotel par une ordonnance ou bien un décret présidentiel créant les forces républicaines de Côte d'Ivoire, les FSCI. Et ce sont ces forces républicaines de Côte d'Ivoire, FSCI, qui sont allées assassiner Ibé. Qui était le créateur des forces républicaines de Côte d'Ivoire? Qui était le président de la République de Côte d'Ivoire? Qui était le chef suprême des armées
en 2011, le jour où on tuait Ibé. À ces questions-là, les avocats doivent d'abord, avant de saisir ce dossier qui est chaud dans leurs mains, devraient d'abord poser ces différentes questions. Pourquoi s'encharner sur un premier ministre? Oh, j'ai pensé que ces avocats étaient sérieux. Ils devraient alors, comme ils ont des déclarations de Ibé, ils devraient alors produire des déclarations, ils devraient alors écouter des déclarations d'Alassane Ouattara et des déclarations de Guillaume Soro. En aucun moment, jusqu'à aujourd'hui, Soro Guillaume n'a parlé de Ibé. Tout le monde disait, il y a un problème entre eux. C'est Ibé qui parlait de Soro. Soro n'a jamais parlé de Ibé. Produisez-moi une seule vidéo avant la mort de Ibé que Guillaume Soro parlait publiquement de Ibé. Produisez-nous une seule vidéo dans laquelle M. Guillaume Soro, avant la mort de Ibé, parlait de Ibé. Et même après sa mort, la seule fois que Guillaume Soro a parlé publiquement de Ibé, c'était en Italie le 2 novembre, samedi 2 novembre passé. Quand, dans la foule, un citoyen lui a posé la question de Ibé. Abdoulaye Jean Camara dit, tu dis ça, qui était le donneur de l'ordre? Bon, il faut bien écrire d'abord l'ordre, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Donc, je vais te donner ici le nom du donneur d'ordre, preuve à l'appui. Et je vous mets au défi de nous produire une preuve contraire. Guillaume Soro, en tout cas, ce que je sais, il n'y a jamais de déclaration rendue publique de la part de Guillaume Soro sur l'affaire de Ibé. Ni en 2011, ni après 2011. J'ai dit bien, c'est le 2 novembre 2019 en Italie que Guillaume Soro a parlé de Ibé suite à une question qui lui a été posée. Donc, je vais donc vous faire écouter une vidéo avant de poursuivre mon allocution. Je suis déjà à 1h17, on va aller à 30. 1h30, c'est bon. Je vais vous faire écouter une très bonne, jolie, élégante et plus sérieuse vidéo. Après, on va poursuivre. Écoutez très bien. Je vous instruis. Quand je dis écoutez très bien là, apprêtez-vous d'abord les oreilles avant que je lance, je déclenche. Parce que le premier mot qui sort de la bouche de M. Ouattara, ce mot-là, elle a un sens vraiment élevé. Ce mot, le premier mot que M. Ouattara dit dans cette vidéo-là, ce mot-là, c'est avec ça qu'on va travailler, travailler, travailler. Écoutez très bien ce que M. Ouattara va dire. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. Message bien reçu par l'armée. Elle entend appliquer les décisions du chef de l'État. On va poursuivre, mais je m'arrête là d'abord. Je vous instruis. Ce français, il a parlé. Et nous sommes en France, Dieu merci. Ce n'est pas en arabe. On n'a même pas besoin de traduire ça ici en France devant un tribunal. Je vous instruis. J'ai dit dans mon direct, et je vais répéter pour ceux qui n'ont pas saisi ou bien ceux qui n'étaient pas encore arrivés, qu'en justice, devant vraiment une bonne justice, pas celle de la Côte d'Ivoire, mais devant une justice, tous les mots ont un sens, ont leur sens. Devant une justice, une bonne justice, une vraie justice, tous les mots ont leur sens. Ici, celui qui parle est le chef suprême des armées en 2011, au moment des faits.
Celui qui parle est le président de la République qui a prêté serment. Celui qui parle, il est le donneur d'ordre. Je vous instruis. Allez désarmer le commandant Ibrahim Koulibaly par la force. Ah, les parents de Ibé n'ont pas vu ça. Faudrait pas qu'on soit malhonnête jusqu'à ce point. J'ai dit que s'ils ne font pas attention, ils vont tuer encore pour une deuxième fois leur frère. Parce que quand quelqu'un meurt, il faut respecter sa mémoire. Il est très difficile de parler de celui qui ne vit plus. Mais s'il veut qu'on parle, on va en parler. Sinon, pour nous, ce n'est pas aisé, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, ce n'est pas joli. En tant qu'être humain, de venir ici encore parler de Ibé. Non. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Je l'aimais. Mais nous sommes en politique. Tous les actes qu'on pose sont scrutés. Donc tous les mots ont leur sens. Le président Ouattara vient de vous dire, vous avez entendu. Je vous instruis. Votre rôle sera de désarmer par la force. Et je parle devant les officiers. On va reculer un peu de règles. Monsieur Généraux et officier Ibrahim Koulibaly, de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions du chef de l'État. Message bien reçu par l'armée. Elle entend exécuter les décisions de qui? Du chef de l'État. Vous avez entendu le nom de Guillaume Soro ici? Message bien reçu par l'armée. Et l'armée entend exécuter la décision du chef de l'État. Et c'est une pièce à conviction devant n'importe quelle juridiction. Je vous ai dit que deux faits sont essentiels dans ce débat. Le donneur d'ordre et l'exécutant. Ni en amont, ni en aval, M. Soro Guillaume n'est associé à l'assassinat de notre frère Ibrahim Koulibaly, dont je m'incline devant sa mémoire. Ni en amont, ni en aval. On peut discuter de ce qu'il pouvait avoir encore entre Soro Guillaume et Ibé, genre rivalité. Oui. Mais ça ne veut pas dire que on peut se baser sur ça pour dire que c'est Soro Guillaume qui a fait ça, c'est Soro Guillaume qui a fait ça. Non. Et vous venez d'écouter, il faut être malhonnête pour ne pas accepter la vérité qui est évidente. Toutes les pièces, toutes les vidéos attestent que Soro Guillaume, son nom n'est associé nulle part à la mort d'Ibi. J'ai dit, nous voulons que vous nous produisez une vidéo publique comme nous on le fait maintenant là. Pour défendre Guillaume Soro, je vous jure que c'est la chose la plus facile. Il n'est pas blanc comme neige, mais il est blanc que tout ce que vous voyez aujourd'hui au RHDP. Il n'est pas blanc comme neige, M. Soro, mais il est blanc plus que tout ce que vous voyez aujourd'hui au RHDP. Ça, je peux vous confirmer. Tout ce qu'il a pu faire de 2002
Jusqu'à aujourd'hui, M. Guillaume Soro l'a fait dans les règles de l'art. Il les a fait dans les règles de l'art. C'est ce qui est important pour nous. Donc, quand tu fais quelque chose dans les règles de l'art, on peut te défendre facilement. Même si c'est pire, même si c'est un danger, même si c'est une erreur, même si c'est un crime. Quand tu les as commis dans les... Même en guerre, là, il y a les règles du jeu. En guerre. C'est pourquoi vous entendez toujours crime de guerre. Ça veut dire en guerre, là, quand quelqu'un sort avec un mouchoir blanc, tu ne dois plus tirer sur lui. Ça, c'est un crime de guerre. Ça veut dire en guerre, quand tu prends quelqu'un, tu ne dois plus le tuer. Ça, c'est un crime de guerre. Mais quand tu vas en guerre et que vous vous tirez dessus et qu'il meurt, on ne te poursuit pas pour ça parce que vous étiez en guerre. Mais allons-y à Boaké demander à la population boakoise, parce que j'y étais. Qu'est-ce qui a pu se passer entre Kass et ses frères d'âme à Boaké? Vous avez vu Guillaume Soro sur le terrain? Maintenant, j'ai dit ici que je me colle toujours à deux faits dans un assassinat. Le donneur d'ordre et l'exécutant. Dans l'affaire de Kass à Boaké, vous avez vu Guillaume Soro sur le champ de bataille? Ils ont de 23h jusqu'à 11h du lendemain, ils étaient aux trousses de Kass. Guillaume Soro n'était pas là-bas. Maintenant, quand on nous produit une vidéo que c'est lui qui a donné ordre à Shérif, à Mobio, parce que c'est eux qui sont allés tuer Kass. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Nous, on était là aussi pour voir qui était sur le terrain pour aller tuer Kass. Guillaume Soro n'était pas là-bas. On ne l'a pas vu. Donc, il n'était pas l'exécutant. Maintenant, cherchons le donneur d'ordre. Nous, on vous met au défi de nous produire une vidéo, une preuve que c'est Guillaume Soro qui était le donneur d'ordre. C'est là que le débat devient intéressant. Je vais vous faire écouter M. Guillaume Soro. Écoutez-le. Il y a des secrets avec lesquels je mourrai jusque dans ma tombe. Il dit il y a des secrets avec lesquels il va mourir. Il lira avec des secrets jusqu'à dans sa tombe. Mais de dire à la famille d'Idé, à ses parents, que n'ont qu'à bien chercher. Comme je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui avais le pistolet pour tirer. Voilà, et c'est de là que je parlais de donneur d'ordre, exécutant. Il dit, comme je n'étais pas là, ça veut dire clairement, s'il n'était pas là, là, c'est pas lui qui va détenir l'âme qui a pu tirer sur IB. Parce qu'il n'était pas là. Il ne peut pas rester au Burkina pour tirer sur IB. Jamais. Donc, IB a été, ils ont tiré sur lui. Il fallait être là pour tirer sur IB. Et Guillaume Soro n'y était pas. Donc, il ne faisait pas partie des exécutants. De ceux qui ont commis le crime, il ne faisait pas partie. Écoutons Loé encore. On va poursuivre avec lui. Il dit quoi? Comme je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre. Comme je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre. Donc, voici les deux éléments qui ressortent. Les deux éléments auxquels je me colle depuis là. Le donneur d'ordre et l'exécutant, voici ces deux éléments qui ressortent encore dans les propos de M. Guillaume Soro. Il dit d'abord, comme je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui ai tiré sur IB. Ça veut dire qu'il n'est pas parmi les exécutants. Mais si tu n'es pas parmi les exécutants, tu peux être peut-être le donneur d'ordre. Il dit, comme je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui ai tiré, qui ai donné l'ordre. Voici les deux éléments dans lesquels Guillaume Soro, ni en amont, ni en aval, il s'y trouve. C'est important. Et cette conférence, il l'a fait publiquement. Il n'y a pas eu quelqu'un pour dire que tu mens. Il n'a pas fait ça dans sa chambre, dans son lit. Il a fait ça devant un auditoire. Il a tenu cette conférence de presse devant une salle bondée du monde, des Ivoiriens. Nous y étions. On va poursuivre avec sa révélation. À ses parents, que n'ont qu'à bien chercher. Comme je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui avais le pistolet pour tirer. Comme je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre. Parce
que pour qu'il soit tué, il a fallu le géolocaliser. C'est pas moi qui ai fait ça. Un autre détail que M. Guillaume se revient de nous mettre à disposition. Il dit quoi? Ça veut dire en réalité que pour... Il dit pour tuer IB là, il a fallu le géolocaliser. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, pour que tout le monde puisse se retrouver dans mes propos. Pour tuer IB, il a fallu le situer la zone dans laquelle il est, dans la maison où il est, dans quelle chambre de cette villa. C'est ça la géolocalisation. Il dit, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je demande à mes frères, à ceux qui pensent qu'ils aiment plus IB que nous, je leur demande de diligenter leur enquête sur M. Alassane Ouattara. On va parler pas à pas. Aujourd'hui, je vais m'arrêter de façon superficielle. Pas de grandes révélations ce soir. Je me base sur des logiques, sur des faits. Mais les révélations, de façon, je vais dire, homéopathique, à dose homéopathique, on va la faire. Ça, c'est inévitable. Tant que le régime de Ouattara pense qu'ils sont malins, on va les livrer à la vindicte populaire. On va poursuivre avec M. Guillaume Soro. Moi-même, j'ai un ami, je révélerai son nom un jour. C'est lui-même que les gens ont appelé pour l'informer. Premier, avant moi. Et c'est lui qui m'a dit, Guillaume, je viens de recevoir un coup de fil, et bien, est mort. Je dis quoi? Il dit qu'il y a un ami. C'est un ami à lui, Guillaume Soro, qui l'a informé. Ah, Guillaume, on vient de m'appeler que IB est mort, qu'on vient de le tuer. Il dit quoi? Et qu'un jour, il va révéler le nom de ce dernier. Mais le jour n'est pas loin, puisque le dossier est debout. Le jour n'est pas loin. Et les Ivoiriens seront surpris d'être étonnés. On va poursuivre. Je dis voilà. Vraiment, je regarde les gens, ils parlent. Ils poussent même des gens à parler. Mais je ne parlerai pas. Attention. L'histoire, vous savez, nos parents nous disent que le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Mais la vérité rattrape le mensonge et dépasse. J'ai toujours dit aux gens, moi je suis un petit sinfon. Je ne trahis pas. Quand on va dans les voies sacrées, on nous apprend des valeurs. Un, la fraternité. Deux, le sens du silence. Trois, la capacité de supporter la douleur. Voilà. Et j'avoue que ce jour-là, j'ai retenu deux choses en Italie ce jour-là. Deux choses. La première chose qui m'a ému, qui m'a mis un peu à l'aise, c'est l'affaire d'IB, la révélation dont je viens de vous faire part, de la part de Guillaume Soro. Ce jour-là, j'ai été un peu soulagé. Je suis en mesure de vous dire que je suis du Ouarzazou, d'où est l'originaire IB. Et pour moi, c'était difficile de me prononcer sur l'affaire de IB. Mais j'avoue que depuis le jour où Guillaume Soro a parlé comme ça, en tant que quelqu'un qui a la tête sur ses épaules, je suis allé vers lui ce même jour, dans la même salle. Je suis allé lui parler à l'oreille. J'ai dit, cher leader, excellence, vous venez de me délivrer un peu. Il dit, mais comment? J'ai dit, l'affaire des IB, ça me préoccupait beaucoup. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on nous traite de maudits. Oui, tu es derrière Soro qui a tué IB. Tu as dit quoi? Mais quand tu as des éléments de langage, quand tu es au courant du dossier, tu en laisses et puis tu parles à tes parents.
Moi, je vais parler à mes parents du Ouagadougou. Je vous ai dit qu'il y a des révélations que je ne vais pas. On est déjà à 1h35. Bon, à 40, c'est bon. 5 minutes, c'est bon. Je vous ai dit que ce soir, je ne vais pas m'adonner aux révélations. Mais merci, bonheur de venir. Mais il nous faudra, Aziz Jérémy Banas dit, qui a géolocalisé IB? Voilà. Mon frère, si tu me suis régulièrement, ça va beaucoup t'arranger. Parce que j'ai dit que ce soir, je ne vais pas tomber dans les révélations. Le nom de la personne qui a géolocalisé IB, je l'ai, je sais, et je le mettrai au défi ici, sur mon antenne ici. Donc, je ne vais pas le faire ce soir. Ce soir, je me suis donné un objectif, venu parler d'une logique, venu dire que la plainte là, elle a raté sa cible. Et pourquoi je le dis, je pense à tester un peu ce soir, mes propos, avec vraiment des arguments qui sont propres à moi-même. Et donc, comme je le disais tantôt, je ne vais pas tomber dans les révélations ce soir. Donc, je disais qu'en Italie, pendant les révélations de Guillaume Soro, sinon le jour de la révélation que Guillaume Soro a fait sur la mort d'IB, j'ai retenu deux choses. Deux choses m'ont ému. Le fait qu'il vient de parler un peu de la circonstance de la mort d'IB, que je devinais déjà d'ailleurs, je l'ai approché pour lui dire, cher leader, excellence, vous venez de me livrer, de me délivrer, en fait, de me soulager en partie. Il dit, mais comment? Il dit, non, c'est à travers des IB là, mais vous savez que nous là, ça nous gêne souvent de parler de ça. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, voilà, c'est ça. Et deuxième chose que j'ai tiré comme enseignement, où il parlait de, je suis un petit xénophobe. Peut-être il a parlé en humour, mais c'est de la pure réalité. J'ai fréquenté beaucoup les jeunes xénophobes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand je vois vraiment Guillaume Soro, il représente ces trois valeurs. Quelles sont ces trois valeurs? Il les a citées ici. La capacité de surmonter, d'encaisser la douleur. Je mets quiconque au défi. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit l'histoire de Guillaume Soro, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui peut supporter la douleur? Oui, Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui représente cette valeur. Deuxième fait, deuxième élément qu'il a dit, le sens du silence. Guillaume Soro, là, vraiment, je n'ai pas encore vu homme politique silencieux que lui. Malgré tous les coups durs, il s'est privé de parler de certaines choses. Et ça, c'est une valeur. C'est une valeur qui est très, très chère, que tout le monde ne peut pas avoir. Le sens du silence. On peut faire confiance à Guillaume Soro pour ça. Malgré tout, il y a des choses qu'il ne va jamais dire. Même si Ouattara l'égorge, il va, pour son respect, pour lui-même, la valeur qu'il a eue dans le bois sacré, il va respecter ça. Il a dit trois choses. Le silence, la capacité de surmonter les douleurs. Et troisième élément, il dit, je ne trahis jamais. On peut tout dire sur lui. C'est un traître. Et c'est ce que nos parents disent aujourd'hui au RHDP. Hein. Oui, eux peuvent dire ça. Parce que pour eux, un traître, c'est celui qui te donne à manger. Et puis après, il dit, bon, débrouille-toi, moi je vais comme ça. C'est ça un traître au RHDP. Parce que pour eux, tu m'as donné à manger, et puis je n'ai pas encore fini de manger, tu t'en pour me laisser. Donc tu m'as trahi. Grâce à Dieu qui est au ciel, grâce à l'abnégation, grâce à la pugnacité, grâce au courage de M. Guillaume Soro,
Alassane a pu être président de la République en Côte d'Ivoire. S'il était un traître, Alassane ne serait jamais candidat en Côte d'Ivoire. Je dis bien jamais candidat. Je n'ai pas de président. Pour être président, il faut être candidat. Si M. Soro Guillaume avait dans son sang la traîtrise, Alassane ne serait jamais candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. Parce que dès les premières heures, il allait se contenter des miettes et puis il allait faire comme Guéhi. Guéhi, là, a été chef d'état-major du Feu Boigny dans l'Ikona Bédié. Il a même été ministre des Sports. Mais lui, il a trahi Ouattara quand il a fait la transition. Malgré lui, il a exercé au plus haut sommet de l'État. Lui, il a pu trahir Ouattara quand il a fait la transition. Parce que la transition, c'était en faveur de Ouattara. Transition de 1999-2000, c'était pour Ouattara. Et Guéhi l'a trahi. Guillaume Soro, là, il n'a même pas trahi Ibé, un peu, jamais. C'est Ouattara qui commandait la rébellion. C'est Ibé qui voulait trahir la valeur, l'objectif de la rébellion. C'est pourquoi les chefs de guerre ne l'ont pas suivi. Sinon, faisons une simple analyse. Comment est-ce que Ibé, qui a fait l'exil avec tous ces comzones-là, c'est le petit étudiant de Niarafolo, petit Senufo-là, qui a pu prendre tous ces comzones pour écarter Ibé. Mais posons-nous cette question. Un militaire, là, c'est rare qu'il trahisse son ami militaire. Guillaume Soro n'est pas militaire. Il n'a jamais fait formation militaire. Mais comment, posons-nous un peu la question de savoir, mais comment Guillaume Soro a pu arriver à convaincre les comzones à sa cause et puis laisser, et puis ils ont laissé Ibé. Nous, on était dans les zones forces nouvelles. Vous savez comment on appelait Ibé? C'était chef de guerre que vous voyez là. Ils appelaient Ibé papa. C'est pas tout qui est bon à dire. Nous, on a connu Major. Même pour dire son nom Ibé, il n'y a pas un chef de guerre. Allez-y vous renseigner. Il n'y a pas un chef de guerre qui pouvait appeler Ibé. Il n'y en a pas. Celui qui voulait le café appelait Major. Sinon, ils tous là, papa. Père à son âme, même Ouattaro, les shérifs, ils tous appelaient Ibé papa. Mais comprenez comment eux vont laisser le papa tranquille pour dire non, nous on va plus derrière toi, donc on va derrière ce Rogium. Ibé voulait faire la même chose que Guéhi a fait. C'est ce qu'on vous cache, père à son âme, parce qu'ils veulent qu'on parle de lui, non? Ibé voulait trahir la cause d'Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara a envoyé Guillaume Soro auprès d'Ibé quand il entend que c'est Ibé qui l'a appelé pour dire bon, viens ici, je vais te donner, toi tu vas faire ça. C'est faux. Monsieur Ouattara, quand il a monté la rébellion, là, quand il les nourrissait au Burkina, là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Zakaria Kone. Quand il nourrissait les rebelles, Guillaume Soro est venu le voir ici en France, il voulait poursuivre ses études. Il a dit, petit, laisse tomber. Toi, tu es éloquent, tu as été féciste, tu peux tenir tête, va aux côtés des rebelles. Il faut aller gérer la branche politique. Parce que les militaires, quand ils arrivent au pouvoir, ils font transition et puis ils se maintiennent. Guillaume Soro était l'œil, l'oreille de Monsieur Ouattara dans la rébellion. Et Ibé voulait faire forcément une transition militaire, comme Guéhi l'a fait. Et Ouattara a estimé que ça n'arrange pas. Les Ahmed Bakayoko sont au courant. Et pour preuve, quand Ibé n'a pas réussi pendant la rébellion de faire une transition militaire, et puis il a été écarté de la rébellion, en 2011, malgré qu'il y a eu élection entre Gbagbo et Alassane, Ibé voulait faire forcément sa transition, parce qu'il tenait à ça. Donc, en réalité, c'est l'affaire de transition qui a emporté Ibé. Ouattara ne voulait pas entendre cette affaire de transition de la part de Ibé. Parce que depuis la rébellion, Ouattara était déjà en boule contre Ibé. Et encore en 2011, ce même Ibé revient à Bobo pour dire qu'il va faire transition jusqu'à faire une déclaration. Vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas vu la déclaration de Ibé pour dissoudre les institutions de la République? Or, Ouattara avait été déjà proclamé candidat élu. Chers parents de Ibé, chers frères et sœurs, je vous demande la raison. Je vous prie sincèrement de regarder tout droit devant vous. Vous verrez arrêter quelque part le bourreau de Ibé. Il n'a pas deux noms. Il n'a pas deux visages. Il s'appelle Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Il n'a pas deux noms, il n'a pas deux visages. Le visage du bourreau de Ibé, c'est le visage de M. Alassane Dramane Ouattara.
ce qui va se dire après ça, c'est du faux. C'est sur ce point que j'aimerais prendre congé de vous ce soir. J'ai dit que je n'allais pas dépasser 45 minutes. Je suis déjà à ma 45e minute. Demain, je vous donne encore rendez-vous. Pour ceux qui veulent qu'on parle. On va parler. Je vais conclure pour vous dire aussi que Guillaume Soro n'est pas neige comme blanc, n'est pas blanc comme neige. Mais il est blanc plus que tous ceux qui l'accusent aujourd'hui. À commencer par Ouattara. Jusqu'au dernier. Ça, c'est une satisfaction pour nous. Et je vous dis que tout ce qu'il a pu faire de 2002 jusqu'à aujourd'hui, il les a fait dans les règles de l'art. C'est pourquoi nous pouvons facilement le défendre. Sinon, quelqu'un qui est appelé chef rebelle pour le défendre là. Mais aujourd'hui, nous on a la facilité de défendre Guillaume Kibafori Soro. Nous, on est très à l'aise. Et moi, je peux tenir un débat face à n'importe quel cadre au RHDP. C'est pas une prétention, c'est pas de me... Mais je vous dis. Parce que c'est difficile de défendre le faux. C'est très difficile de défendre le faux. Je vais vous dire une chose. N'importe qui n'est pas avocat. Parce que pour être avocat, il faut avoir vraiment la tête tranquille. Il faut être intelligent. Donc les avocats de l'État que vous voyez là, en réalité, ils ont été intelligents. C'est pourquoi ils sont sortis avocats. Mais quand tu défends le faux là, tu deviens nul. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Mette Abdoulaye, c'est un frère à moi. Il vient de Kani, je viens de Dibrosso. C'est mon frère. Il est fort. Mais quand tu défends le faux, quand tu défends l'indéfendable, tu deviens nul. Et toi-même, tu te perds. C'est ça en réalité, le RHDP. RHDP va venir défendre un dossier contre Guillaume Soro. Passez par où? Non, arrêtons. Et donc, quand tu es dans la vérité, même quand tu es nul, tu deviens excellent. Peut-être que nous, on est nul, on ne connaît rien. Mais comme on est dans la vérité, on est dans la révélation, tout ce qu'on dit, ça prend. Peut-être quand tu ne nous aimes pas, tout ce qu'on dit, tu dis, oh, quitte là-bas, maudit là, bâtard, toi, tu peux qu'insulter. Tu ne peux pas le contredire. Dames et messieurs, je vais prendre congé de vous ce soir. Mais je vous donne rendez-vous demain. Un peu, on va parler. Alors, chapeau à vous. Merci pour tout, à toutes et à tous. Merci pour ceux qui sont restés, ceux qui nous ont accompagnés en commentaire, en cœur, en partage, en like. Vraiment, c'est grâce à vous que nous tenons. Et nous vous invitons à vous abonner à toutes nos pages. Parce que souvent... Même YouTube, je suis aussi sur YouTube avec le même nom. Allez-y là-bas, hein, allez-y vous abonner. Parce que souvent, quand on sait que Petit là, il vient pour taper comme ça, là, on gâte tout sur Facebook. C'est sur YouTube que vous pouvez nous retrouver. Donc, dès maintenant, vous pouvez rapidement prendre votre tabouret sur nos pages YouTube. Pour me voir sur YouTube, tapez seulement le Seni Kibafori. On va vous demander, abonnez-vous et puis voilà, vous êtes abonné. Et puis, si Facebook dérange, paf, on balance sur YouTube. Pour que ce combat-là, on puisse le mener jusqu'au bout. Pour que ce combat... Parce qu'en 2000, là, il n'y avait pas Internet pour défendre Ouattara quand ils ont rejeté sa candidature. En 2010, là, il n'y avait pas vraiment Facebook comme ça, là, où nous tous, on pouvait... Et puis pour nous éviter la guerre à la Côte d'Ivoire. Mais en 2020, là, c'est gâté sur... Ils se cherchent. Mais on va les neutraliser à partir de nos Facebook. Nous, on n'a pas dans guerre... Oba, là, c'est pas nous. Bagogowa, c'est pas nous. Mais nous, on a si on décortique. Allez, ciao, à demain.